Et salut tout le monde, c'est Drakkane. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Ratchet & Clank. La dernière fois, nous avions donc pris le temps de nous barrer. Non, on avait surtout fait le gros chapitre de Clank, où Clank a appris à se servir un peu plus de ses pouvoirs, être plus active dans la réparation et la gestion du temps à travers l'univers. Quant à Ratchet, lui, eh ben, il est arrivé dans un nouveau secteur. On s'est fait attaquer par les Valkyries. Et maintenant, il faut qu'on se rende sur une nouvelle planète. Et j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Donc, let's go! Hop là, on va se tenir à distance du mob. Je pense que cet épisode va être normal et que le prochain, lui, sera. Spécialement annexe. Je pense que tous les 5 épisodes, on passera un petit épisode annexe à visiter les anciennes planètes quand on aura ce qu'il faut, ou tout simplement à aller visiter les galaxies, toute la galaxie et faire toutes les petites planètes perdues. Voilà, au moins comme ça, c'est dit. Je pense que c'est un truc qui marchera bien. Mais bon, sans perdre plus de temps, allons sur Lumos. C'est parti! Parfait. J'ai triangulé l'emplacement de l'œil d'obsidienne quelque part dans ces grottes. Suis-moi et ne t'éloigne pas. Eh ben allez. Et bon, je me rappelle où on est. Je me rappelle ce qui va se passer. On devrait passer un bon épisode normalement. Zup. Bon, dans mes armes, j'en étais où? Je vais faire encore une fois revenir Monsieur Zurkon parce que ça serait bien qu'on finisse cette arme. Hop. Regarde ça, elle est pas belle. Le nouveau frappeur plasma de Grumanet représente l'avenir en matière d'élimination à longue portée. Notre bioscope breveté confère au frappeur plasma toute sa puissance. Ce bioscope repère les points faibles de n'importe quel ennemi pour l'éliminer en toute simplicité. Positionne ton réticule sur l'indicateur rouge et... Bam! Et si tu le tues pas, il aura tout intérêt à battre en retraite. Le frappeur plasma, uniquement disponible chez Grumanet. Ah, ça c'est mon arme. Ça c'est mon dada. Les snipers. Désolé, la bobine, c'est pas pour tout de suite. J'y pense aussi. Hop, non, c'est vrai que. Ils n'ont pas mis de système d'amélioration. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons élever cette plateforme de forage. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Là, descends et vois si tu peux hisser la plateforme. Ton père et moi venions souvent par ici quand nous étions petits. Il y avait la mine de Raritanium. La mine est tarie aujourd'hui. Mais crois-moi, à l'époque, cet endroit resplendissait. Après le départ des Gullards, on traînait par ici et on jouait dans le noir avec nos overbots. Kaden a bien failli se casser le bras une fois. De bons souvenirs. J'aime bien écouter Alistair raconter sa vie et les souvenirs de d'enfance. Hop. Parce qu'au final, c'est vrai que les Lombax, on n'en sait pas grand chose. Je suis fier de toi. Viens, remonte et trouvons cet œil. Allez. Et là, on va pouvoir utiliser les hydroplantes. Elle semble parfaite pour te ramener à la surface. Saute dessus. Inquiète pas pour moi. Les tremplins, j'ai l'habitude. Doup, 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 doup. Hop, hop. Oh, c'est pas la perfection ça, bien directement joué. Sur le bon coin. Allez, fouillons les grottes. Attendez. Une petite minute. Non, je peux pas grimper. Ouais, normalement je devrais pouvoir faire le saut, mais bon. Flemme. Il y aura pas de boulon. Vous êtes privé de boulon et d'animation. Excusez-moi, j'ai perdu le contrôle. Tout va bien. Tout va bien. Attends. Tu vois ce nid là-bas?
des tétramites. Reste près de moi, et quoi qu'il arrive, ne les laisse pas te toucher. Qu'est-ce que je risque ? Disons qu'elles peuvent tout digérer. Alors n'oublie pas, les tétramites détestent l'eau. Si nous atteignons l'autre rive de cette crique, ce sera bon. Allons-y. Voilà. Vous avez compris, maintenant il va falloir utiliser l'eau pour esquiver les tétramites. Non, m'approchez pas. Laissez-moi tout seul, non. Je fais de plus en plus penser à ton père. Allez, on est presque. Oula, je n'avais pas vu le nid. Barrez-vous, rentrez chez vous. Oui. Je connais cet endroit. Il y a un rocher d'où nous décollions avec nos overbots, tout droit dans le vide. La première fois, j'ai été impressionné, mais ton père, pas du tout. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Général, on peut parler de ce qui s'est passé avec mon père, les Lombax. Ce n'est pas le moment de s'amuser. On est presque arrivé. J'essaie pas de m'amuser, justement. J'essaie de savoir ce qui s'est passé. Notre race a disparu, Alistair. Il est temps d'ouvrir les yeux. Oula, ça passe. Il est temps de se rendre compte qu'il ne reste plus que nous. Et je ne repeuplerai pas la galaxie avec toi. Tu te débrouilles drôlement bien, Ratchet. Continue comme ça et baisse pas les yeux. Je ne juge pas, mais je ne pense pas que même chez les Lombax ça marche comme ça. Doucement, Ratchet. Doucement. Tu y es presque. Il y a eu assez de fanars que pour savoir que Talwin serait plus propice Qu'est-ce à ça. Que je t'ai dit ? Il faut avoir confiance. Général, attendez ! Général, vous pouvez arrêter une seconde ? Je veux savoir ce qui s'est passé. Des questions, toujours des questions. Pose-toi celle-ci. À quoi sert le passé si on peut le modifier? Ton père aurait dit à pas grand-chose. C'était mon père. Et vous ne m'avez toujours pas donné votre réponse. Alors, pourquoi n'êtes-vous plus avec les Lombax? Parce que je les ai trahis. J'ai commis une erreur. Après la Grande Guerre, Polaris était un endroit dangereux. Malgré le départ des Kragmites, je savais qu'il fallait faire quelque chose pour protéger la galaxie. Un jour, nous avons été approchés par un inventeur ayant des idées incroyables sur des technologies à des années-lumière des nôtres. L'inventeur était quelqu'un contre qui ton père m'avait mis en garde. Notre espèce est devenue méfiante envers lui, mais j'étais persuadé que c'était la meilleure chose à faire. Pour la galaxie, je lui ai donné accès à toutes nos technologies, à tous nos secrets, jusqu'à ce qu'il en ait terminé. Tout le monde s'est réfugié à la cour, mais ton père a refusé. Il n'aurait jamais abandonné ta mère. Mais à son retour, elle était déjà partie. J'ignore combien de temps il a survécu avant que Tachyon l'achève, mais je sais que je suis responsable de sa mort. À cause de mes crimes, on m'a interdit de rejoindre les Lombax. Et alors, j'ai dû m'exiler. Je peux tout arranger, Ratchet. On peut tout réparer. Avec l'horloge sous notre contrôle, tout ça sera bientôt de l'histoire ancienne. Reste avec moi. Et je te promets de ramener toute ta famille. Vous le sentez arriver, n'est-ce pas? Vous savez que toute cette histoire va mal tourner. Étranger, vous devez nous aider. Les Agoriens ont lancé une attaque de grande envergure contre la colonie. Les habitants se sont barricadés chez eux. Pas de temps à perdre. Ratchet, souviens-toi de la mission. L'œil d'Obsidienne est notre priorité. L'œil, il est dans un temple. Je peux vous y emmener. Je vous en prie, nous ne sommes pas une race agressive. Aidez-nous à vaincre les Agoriens et je vous guiderai.
bien. Il est temps de voir si je suis toujours un bon sniper dans ce jeu. Avant toute chose, est-ce que... Non, pas de nouvelle armure? Pas de nouvelle armure. Première étape. Pom, 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 pom. Oh oui, on va le faire de là-bas. T'inquiète, le jeu. Cratchit, occupe-toi de ce cavalier, je te couvre. Attends. Non, c'est pas ce que je veux. Oula, ouais. Bonne munition. Allez. Oh putain, des explosions. Bon. Voilà. Bon, c'est bon, je me rappelle, je suis un mauvais sniper. Par ici, viens. Ouais, t'inquiète, regarde. Même d'ici, tout va bien. Oui. Vous avez compris, c'est simple, il faut tirer quand c'est vert. Vert, ça one shot. Si c'est pas vert, ça va être un peu plus long. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, raté. Et bien, c'est que je suis en plein dessus, mais des fois, quand il a décidé que c'était pas le moment... Non, j'ai le droit d'avoir du vert ? Oh, l'enfoiré. C'est quand même pratique d'avoir un vendeur juste ici. En fait, pour sniper, l'histoire m'emmerde plus qu'autre chose. Voilà! Je me demandais quand est-ce qu'il allait popper ce level. Autorisation d'élaborer une nouvelle stratégie. Demande pour le QG. Si vous n'êtes pas fichu de vous occuper des rebelles, vous paierez votre incompétence de vos vies. Nous apprécions votre mansuétude à sa juste valeur. J'adore les écouter parler, les amis dans le jeu. Oh. Raté. Où est-ce que ça passe? Et le 1. Oula. Meister, arrête de voler les kills. Pas moi. S'il vous plaît, messieurs. Voilà. On a localisé les rebelles. Plus loin on approche. Et même les vaisseaux peuvent être visés. Sauf s'il se met pas dans le bon sens. Oh, parfait. On a perdu un talon. Oh, ça c'est du beau. Oh, je suis bon là. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Je voudrais plus... Oula. Ah,
Bon, vous m'excuserez, c'est quelque peu bruyant ici. Promis, j'essaye pas de vous rendre sourd. C'est le jeu. Monsieur Zurcon est toujours là. Est-ce qu'il est là quand il faut? Toujours là quand il faut. Et Zurcon, le petit robot. Oui. Oh, d'accord. Un petit succès au pif, ça fait toujours du bien. Mais ce sniper qui veut pas se recharger, au secours! Au secours! Non, mais j'ai tout d'acheter moi-même! C'est un scandale, monsieur! À entendre ça. Oula, mais c'est que je vais être reçu ici. Oh. On finit toujours par placer un sniper. Après avoir visé entièrement l'ennemi pendant tous les dans les sens. Vous allez tous crever. Oula. Caméra. Oh. Oh, l'autre, il était en train de viser. Un de moins. Ça, c'était clairement un cas de suicide assisté. Étranger, des hydrachars s'approchent des gorges du canyon. Il nous faut une plus grande puissance de tir. Attends ici. Je vais te couvrir depuis le ciel. Alistair, m'abandonne pas. S'il te plaît. Bon bah j'ai compris hein. Pas trop le choix. C'est parti, premier hydrachar du jeu. On est sur un bon petit mini-boss en règle générale. On pourrait même pas s'en sortir dans le jeu si on n'avait pas chopé une pour la clé et une pour le vaisseau. Oh, cool. Le méga constructo pistolet. Oh. Allez. Monsieur.
Pas très efficace celle-là. Allez. À la base. Mais bon, je sais suivre les poupons rouges. Les mercenaires dans les Ratchet, c'est toujours les meilleurs trucs au monde. Ça touche, mon gars. Non. Allez. J'ai détecté une escouade agorienne près de cet hydracheur. Faut t'en débarrasser avant de t'occuper de son alimentation. Aïe. À reculons, ça marche moins bien. Sur le chemin. Non, bâtard. Moi, je me mets bien, je laisse le jeu jouer tout seul. J'ai mes mines, elles font le taf. C'est parfait. Oula, 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 oula. Non, je... En fait, j'ai rien dit, ça joue pas tout seul. Ah ! Panique ! Panique ! Ah ! C'est bon. La prise de confiance est redescendue. Au secours, ça s'arrête jamais. Donnez-moi les positions. Compris. Prêt pour synchronisme. Descendu, commandant. Séparation. On s'arrête tout droit. Allez. En 40, ça va, on devrait y arriver. Bon, on va peut-être éviter les surchauffes. Des doigts dans le nez. Ah ! Oh ! Allez, je rappelle qu'ils ont quand même dit, les robots, que c'était une race pacifiste. Hein. D'où est-ce que ça sort ce système de défense de malade, les mecs? Oh,
j'ai pris un hit. Allons à l'approche. Cible éliminée. Encore deux talons. Éliminons-les. Flotte perdue. Regroupement. Repli vers l'abysse de Huron. Bien joué, Ratchet. On a réussi. Je me pose. Vous avez réussi, étranger. Vous avez stoppé l'invasion. Il est temps pour moi de respecter mon engagement. Suivez-moi et je vous montrerai où se trouve le temple. Comment ? Est-ce que tu es allé là-bas sans pont ? Voilà. Bah, c'était une sacrée invasion. Et bah vous savez quoi? Je pense que du coup c'est le bon moment pour s'arrêter pour cet épisode. Comme ça c'est parfait. On ira voir ce qui se cache là-bas et à quoi ressemble et où est caché cet œil d'obsidienne. Une bonne fois pour toutes. Et peut-être enfin pouvoir communiquer avec Clank. Bref, sur ce... Viens dès que tu peux. Eh oh, tu me laisses parler? Non mais dis donc. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Ratchet & Clank. C'était Drakkane, ciao tout le monde.